Hey, salut tout le monde, c'est quoi Magus? Bienvenue sur l'étape 2 de ce tour V2 de ce Pro Cycling Manager 2014 Alpes-Valter 2000. Je suis en compagnie de Johan Yenevias, salut. Salut à toi, salut tout le monde. Et Olivier Tsubasa, salut. Bonjour. Donc voici le profil de l'étape directement de la montagne où nous aurons un premier classement intéressant, je pense. Et les favoris sont les suivants. Je vous écoute, messieurs. Eh ben, Chris Froome de la Sky. Alberto Contador de la Tinkoff. Vincenzo Nibali de la Astana. Nairo Quintana de la Movistar. Joaquim Rodriguez de la Katusha. Jean-Christophe Perrault d'AG2R. Rigoberto Urán de Etix Quick-Step. Thibaut Pinot de la FDJ. Rafa Majka de la Tinkoff. et Romain Bardet, le futur meilleur jeune d'AG2R. Nous verrons bien. Donc voilà, moi j'ai envie de faire une petite dédicace hein, là, de mes amis Blarkan, ma popiette, salut à toi, voilà, c'est fait. Un petit coucou, ça fait toujours plaisir, surtout aux amis. Voilà. Sur ce, le début de la course, c'est parti. On se retrouve au départ. Nous voici donc au départ de cette deuxième étape. Vous voyez le profil, hein, c'est quand même assez costaud, mine de rien. Déjà un abandon, hein, Gadret qui avait abandonné. Ouais. Assez dommage, là. Parce Ouais. que je pense qu'il aurait pu faire quelque chose sur ces étapes de montagne. Eh oui, mais bon, voilà. Oh, peut-être une petite blessure. Toujours pas de vélo, bien entendu, hein, bien sûr, c'est ça qui est drôle là, dans ce nouveau concept, hein. Un Voilà. concept vélo sans vélo. Ça pouvait être le tour Harry Potter, un petit peu. Donc on a les maillots de leader qui sont à l'avant, là, qu'on pouvait voir le petit Gucci en rose saumon, Tout à fait. en référence au Giro. Yep. Le leader qui est là, Sagan. Ouais, avec son maillot la couleur un peu dorée. La montagne, il Référence au n'en a Tour de pas eu encore, France. donc forcément il n'est pas là. Le meilleur jeune est beaucoup, un petit peu plus loin derrière le On tente peloton. sa chance de loin. Alors qu'à noter quand même qu'il fait super beau sur ce début d'étape, donc on peut dire que peut-être que l'anticyclone des Açores a frappé. Je ne sais pas si c'est ça ou pas parce que je ne connais pas la météo. Ah. Peut-être que c'est l'inverse, l'anticyclone des Açores, je ne sais pas. Je leur dis une deuxième fois parce que ça vaut le coup, moi je dis. Voilà. Peut-être que je ne sais pas d'ailleurs, on va parler un peu météo, je sais pas si c'est l'inverse d'ailleurs. Un anticyclone, c'est l'inverse, hein, c'est Non, quand. non, un anticyclone, c'est bien pour le beau temps, c'est une Ah, dépression pour la pluie. c'est bien. Donc je suis pas si débile que ça me fait plaisir. Oui, une dépression, oui, c'est bien ça. Voilà, parce que basse pression, c'est oui. Oui. Dépression, basse pression. Et Joachim, s'il te plaît. Anticyclone, haute pression. Oula, le maillot. Qu'elle soit par point aussi, qui est tout derrière, là, qui a reculé, tout devant maintenant, il a reculé direct dès le début de cette petite montée. Alors que Joaquim Rodriguez ne veut pas. Voilà, ne veut pas remonter. Céline non plus, Céline, tu dis, je reste derrière, c'est pas un souci. Aïe 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 aïe. D'ailleurs, ça me fait marrer, parce que enfin, se marrer, non, c'est pas marrant du tout. Non, c'est pas, c'est, enfin, moi, ça me fait pas rire en tout cas. C'est que je repensais aux commentaires des fois quand je lis les commentaires, c'est sur les vidéos, tout ça. Je me dis, et en plus, ça me fait penser à un des youtubeurs et casters et streamers que j'aime bien, c'est AxeClick. Lui, il faisait la minute Becherel à l'époque. Il faisait un truc, c'est-à-dire que l'orthographe, il aime Ah bah oui. beaucoup absolument que les mots. Et moi, c'est vrai que des fois, ça me fait mal aux yeux quand je lis C'est vrai que certains commentaires. je vais te faire pleurer des fois, non? Toi, ça va encore, honnêtement. Attention, je dis pas Ouais. ça sur mes vidéos particulièrement. Honnêtement, je trouve que les gens écrivent pas trop mal au final. Mais c'est vrai que des fois, c'est assez ridicule, quoi. Mais bon. Quand on discute sur Skype, je fais en fait des erreurs. Hein. Oui, mais encore une fois. Après, enfin. Ou alors peut-être que j'ai passé le cap de faire gaffe, mais c'est vrai que des fois, bon. Non, t'écris bien comme ça. Bon, des fois tu fais des fautes assez flagrantes, je le remarque, mais bon. Ce ne sont pas non plus des fautes très stratosphériques, hein, c'est pas trop non plus trop violent, hein, c'est pas. Ça va encore, c'est pas méchant, ça va. Je te pardonne, t'inquiète Ouais. pas. T'inquiète pas. D'accord, ça va, merci. Mais de rien, mais de rien. Alors qu'on en est encore à 8 bornes du sommet, il paraît pas, mais il était long. Il y a une échappée devant. Allons voir qui est devant. Vuillermoz, Atapuma, Chavanel, De Gendt, Hédé et Sanchez, Luis León. C'est bien, c'est étonnant qu'ils aient réussi à partir, pour certains. Ouais, parce que bon, il y a quand même des bons là-dedans, quoi, hein. Mmh. Bon, après, il y a beaucoup de grimpeurs, forcément, vu que de toute façon, il n'y a quasiment que des grimpeurs dans ce tour, hein. Plus ou moins bon ou pas, mais il n'y a quand même que des grimpeurs, forcément. Il n'y a pas les sprinteurs.
À part Sagan. Bon, Sagan, il fait tout, donc... Sagan est complet. Voilà, c'est ça, donc forcément. Sinon, bah ouais, non, mais c'est vrai que... Comment dire? Je ne sais pas. J'ai un petit... Non, mais c'est vrai que j'ai... Enfin, j'ai un petit problème, là, c'est que des fois, j'ai du mal à... Comment on appelle ça déjà? C'est, tu sais que c'est quand on a mal à avaler tout ça, c'est à déglutir. Mm-hmm. Donc je pense oui. que j'ai un petit côté déglutition, je pense que j'ai un petit souci des fois. Donc désolé si je bafouille, désolé si j'ai un petit souci. Je pense que c'est à cause du cornichon que j'ai mangé tout à l'heure, parce que c'est, vrai, c'est acide. Hein. Donc forcément, ça me pose des petits problèmes dans ma bouche et dans ma gorge. Donc voilà, désolé. Je m'excuse par avance. Hein, voilà. Alors que notamment la descente, et on va se quitter tout en bas de la descente et on se retrouvera. Au pied du deuxième premier catégorie et on verra la fin d'étape ensemble, voilà. Oui, ça semble pas mal. Il y a rien qui rigole. Vous ne saurez pas pourquoi il rigole, mais il rigole. Ouais, voilà. Voilà. Il nous pète un câble, ça y est. Oui, bah, c'est Johan, hein. Il est fatigué. Ouais. Oh là là, c'est affreux. Bah, c'est vrai que oui, non, mais je peux comprendre, hein. C'est vrai que la fatigue, des fois... Vous voyez, les enfants, la drogue, c'est mal. C'est ça, tout à fait. Oh là là. Oh là là là. Ah là là là. Ah, moi aussi je suis fatigué quand même, j'avoue que là, un petit peu. Ouais. Un peu comme un ours qui hiberne, quoi. C'est le mec, il est capote. On le voit plus, il bouge plus, sauf que moi je parle quand même. J'arrive à encore en parler un petit peu, mais. Alors que les ours, non, les ours, quand ils dorment, hein, eux. Bah oui. Ils peuvent dormir longtemps en plus. Ah bah oui, bah, quand ça hiberne, bah ouais, hein, je sais pas combien de temps c'est, mais c'est assez. Que, bah, à la différence de beaucoup d'animaux qui hibernent, c'est que l'ours, lui, de temps en temps, il sort de son hibernation. Ah, quand même, il sort un petit peu. Ouais. Ah oui, c'est pas tout l'hiver. Contrairement à la croyance commune, en fait, l'ours, pendant l'hibernation, sort de son réveil afin d'éviter justement la surperte de poids et de graisse. Ah, donc instinctivement, il sait quand il faut... Instinctivement, oui, c'est... Ben, y a un réveil qui se fait afin qu'il puisse quand même manger un petit peu les réserves qu'il a mis. Oh putain, je suis droit qui Rodriguez, bordel de merde. Et bah ben, tiens, voilà. Mais vas-y, relève-toi. T'es mort ou quoi? Non, non, ils sont en train de rouler dessus, tiens, regarde. Putain, y'a qui a fait chuter ici? Oh là là. Il a laissé passer le bouton. Hein. Zubeldia... Denifle... Pierre Seneff, j'en ai parlé tout à l'heure, justement, voilà. Clark et Dan Martin, que je t'ai. Voilà. Bon, après... Le petit maillot bleu ciel, là, c'est pas le maillot du meilleur... C'est lui. Ça enfin, c'est pas lui, mais bon, vu que c'est Sagan qui l'a, oui, c'est lui. Tout à fait. Là, c'est un peu chiant. Bah, le problème, c'est que... Là, on peut pas voir s'il est blessé ou pas, pour l'instant, mais... Vu les pulsations sur la descente qu'il a, à mon avis... Ça sent la blessure. Mais bon. Ça, ce serait ballot. Je sais plus qui c'est qui me protégeait. Oh, mais je suis là, qui va me protéger. Ouais, ouais, bah écoutez, en espérant que ce vieux roi qui m'enregistre, un tyrannosaure, se ressortira, qu'il n'y a pas de problème, qu'il arrivera tranquille à montrer ses crocs et ses petites papates pour dévorer tous ces petits coureurs. Mais espérons-le. Moi, je l'espère en tout cas. Il est blessé dans 148, ouais, si, plus quand même pas mal, pour une descente, ça fait quand même beaucoup, je trouve. Ouais, mais tu vois, on a... ben, c'est le problème, en fait, avec la route d'aujourd'hui, elle est réputée très, très glissante. Ouais. Pourtant, il fait beau, hein. Ouais, c'est ça, il fait beau. Donc, magie, c'est plutôt une... Mais d'après ce que j'ai entendu dire, le goudron a été refait assez rapidement, donc... Enfin, rapidement, assez... Ben, depuis peu, voilà, c'est ce que je veux dire. Bah en fait, d'accord, fait, quand tu dis que c'est glissant, en fait, c'est comme une savonnette, quoi. C'est un petit peu ça, voilà. En fait. C'est d'accord, ok, parfait. Ok, bah, écoute, en plus j'ai la forme du jour qui apparemment n'est pas bonne, donc c'est parfait. Ah bah, c'est peut-être pour ça la pulsation. Hein. Ouais, peut-être aussi. À défaut d'être un casse-tête, c'est plutôt un casse-noix. Ouais, quelle belle phrase. C'était un petit, voilà, c'était magnifique quand même. Enfin bref, voilà. Maintenant, on va pouvoir se quitter ici, puis se donner rendez-vous après cette magnifique chute. Vous avez failli la rater, ça aurait été triste quand même. On se retrouve au pied donc de ce premier catégorie ici, là. Et nous vivrons l'intégralité de l'étape ensuite. Voilà, mes amis, je vous dis à tout de suite. On se retrouve à 21 km de la réveille en finale. J'ai pas montré avant qu'en finale, c'était un petit peu trop long. Il restait 50 bandes quasiment, c'était un petit peu trop long. Et donc voilà. Il y a le leader qui attaque. Ah non, c'est bon. C'était le sprint. Oui, c'est vrai. Calme-toi.
C'est vrai que ça m'étonnerait de voir Sagan attaquer en montagne. Hein. Oui, voilà, c'était un petit ça aurait pu, mais c'est vrai que oui, c'était un petit peu étonnant quand même. Hein, regarde, maintenant il coupe l'effort, il va se mettre tranquillement dans le peloton, et puis voilà. Allez, les 20 derniers kilomètres et 20 kilomètres de montée, au final c'est presque l'étape de quoi, c'est... Sauf que c'est moins compliqué, parce que c'est moins gênant, voilà. Mais on a repris 3 des échappés. Ouais, moins un pour Joachim. Va falloir tenir bon mon petit Joachim quand même. Et puis le champion du monde, toi qui avais réussi à te faire un coup, et puis au final il s'est fait reprendre là. Et puis Joachim avec sa chute, j'ai peur que. C'est relativement homogène tes notes, hein. 0, moins 1, plus 1. Mais la chute n'est pas homogène. Parce que là quand je vois que la Sky roule. Eh oui. Movistar qui est là aussi. Oula, ça roule pas là. Ça roule pas fort. 15 km à parcourir encore. Et l'ascension. 120 coureurs au peloton seulement. Beaucoup, il y avait tous les lâchés derrière là. 120 coureurs seulement. Moi, mes coureurs sont maintenant à 65 d'effort dans le sens pour finir tranquillement l'étape. Parce que c'est un tour extrême, hein, même si ce sont des étapes réelles. Mais ça, c'est un tour extrême avec. Merckxman a été lâché. Oui. Ah oui. Ouais. Le maillot vert qui n'est pas le vert, rose. Mais c'est maillot vert. Voilà. Le rose. Le maillot rose. Maillot Gucci. Yes. Maillot saumon, tout à fait. Voilà. Saumon. Tout à fait. Ah oui, parce que les maillots distinctifs ont tous un lien, un petit clin d'œil vis-à-vis des trois grands tours. Tout à fait. De toute façon, vous le verrez lors des podiums. Oui. Puisque là, normalement, on devrait voir les quatre maillots distinctifs. Tout à fait. Oui, voilà. Et ça commence à quitter le peloton, ça commence à attaquer, je crois. Ah non. Non, j'ai cru aussi, parce qu'il remontait juste en fait. Alors qu'il y a 10 km, attention, 10 km. Plus que 2 devant. Joachim est pas si mal, Joachim est pas si mal là, il est pas mal. Honnêtement, même niveau de la. Enfin, niveau du jaune et tout, on accélère encore. Chavanel qui aura pas tenu. Ah non, Chavanel, et puis donc il restait Atapuma avec lui. Je suis étonné de pas avoir d'attaque là, tu vois. Bah ouais, moi aussi, c'est vrai que c'est assez étonnant, il reste que 8 bornes, donc À mon avis, c'est Chris Froome qui est dans ta roue. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est Machka qui voulait prendre le relais, enfin le suivre, mais il a pas suivi. Merci mon petit Simon, tu vas te relever tranquillement, qui sont pas équipe, nous, on ne le joue jamais, de toute façon. On préfère préserver nos coureurs. Alors, 49 coureurs, Nakonig, c'est même pas Froome qui est là, c'est Nakonig, il est là Froome, je pense, oui, il est là. Sagan a enfin été lâché. Ah bah c'est parti. Oula, attention, Nibali, on l'a vu avec son maillot de champion d'Italie. C'est Majka, Koenig, Contador qui est là. Et deux Sky hein, dans l'échelle. Deux Sky. Et deux Tinkoff. Et un Katusha. Mais. Oula. Ouh, ça devient dur. N'accélérez pas trop, les enfants. Je suis pas frais. Allez, Sky qui y va. Ça y est. Ouais, mais c'est bon, là. Ils sont arrêtés, là. Si c'est bien Inao qui l'accompagne, ça va vite. Ouais, ça va fort. C'est Koenig qui ramène Froome. Ah oui, d'accord. Okay. Quintana est revenu. Ouais, Costa. Tu l'avais dit, Donc il reste 3 km. Quintana, forcément leader en l'absence de Valverde. Il peut faire des choses. Tout à fait. En l'absence, mais je crois que Valverde n'est plus à la Movistar, cher ami. Hein? Non? C'est ce que je l'ai pas mis. Allez, 1 km 900, attention, ça commence à préparer le sprint là pour Costa, je suppose. Mais non, mais c'est trop tôt pour attaquer, voilà. Maintenant, faut attaquer mon gars. Et Rodriguez qui montre l'exemple. Voilà. Voilà, un vieux briscard qu'il est. Et... C'est une... Non. Ouf. Oh là là. Sauter. La boulette. Bon, je pense qu'il m'aurait sauté quand même, mais la boulette. Il a fait une Yono Village. Il a tout à fait. Quintana, Contador, Rodriguez, Froome, Nibali, Pino, Uran, Costa, Pedro, Bardet. Je pense qu'il me sautait quand même, mais pas sûr qu'il me sautait. Je ne sais pas. On verra ça sur le ralenti, je pense. Enfin, si le ralenti est intelligent, on le verra. Ah merde. Ah, ça c'est moche. Oui, bon, c'est pas dramatique, mais c'est moche. Je pense que il y a quelqu'un qui va entendre siffler dans son oreillette. Qui donc? Ah bah Joachim forcément. Ah oui. Ah, se lever comme ça et perdre l'étape, enfin ne pas la gagner surtout. Oui. C'est
je ne voudrais pas être dans le motorhome. Alors qu'il y a déjà 4, 5, 5 russes vélos à l'arrière. 6 là, mais lui il va passer, lui, ça va. Mais les autres là, les 5 autres, ils... dont leur leader, hein, Fersanov, qui a chuté, je vous rappelle, hein, avec Joachim, Solidarité, bien, russe. C'est bien. Mais oui, non, mais belle erreur là de ma part, en tout cas, là, j'avoue que. Ouais. Là, on va voir sur le ralenti, parce que je crois que je me relève vraiment quand même l'effort. Mais ils arrivaient fort quand même, Contador et Quintana là, mais. Enfin, j'espère qu'on verra bien ralenti à ce niveau-là. Regardez là, je suis leur devant. Ah oui, ils arrivent à fond la caisse. Ouais, mais c'est parce que je me relève, honnête, je pense. Ouais. Pas ouais sûr, mais... Ah bah merde, je suis troisième. Une belle Ionovias. Parce que. Ouais. Ouais. Et puis là, on va voir. Et voilà. Ah oui, là, normalement, si tu te levais pas, c'est bon, c'est toi qui gagne. Hein. Ah ouais. C'est dommage. Dommage. Regarde ça, ah oui, tu es. T'es 50 mètres avant le. Ouais. Ah, c'est pas grave, écoutez, hein, c'est comme ça, c'est le jeu. En tout cas, Rock Nogaz a montré qu'il était après sa chute quand même, qu'il était là. C'est ce que je retiens, voilà, c'est tout. C'est tout. Quintana, donc, il va prendre le maillot de leader. Il va devoir juste garder la tête froide. Ah non, bah voilà, Rock Nogaz qui est leader, bah voilà, bah, c'est bon, on a ouais. Le maillot. Avec le maillot doré, référence au Tour de France. Voilà. Ah, c'est grâce au jeu des bonifs. Non, il n'y a pas de bonifs. Non, bah comment ça se fait ouais, bah parce que. Peut-être qu'ils avaient, je sais pas, mais bon, voilà. Peut-être qu'ils avaient. Bah, s'il y avait des bonifs, je serais pas là. Voilà. Leader par point. Peter, ça gagne toujours. Qui a marqué des points là, au des sprints intermédiaires, donc il a engrangé des points, mais bon, malheureusement pour lui, ça ne suffira pas, je pense, mais on sait jamais. La référence au Giro. Yes. Le classement de la main du grimpeur, bah, c'est Quintana, je suppose. Hein. T'aurais pu faire les robes des nanas. Hein. Oh, des filles, allez, soyons polis. Maillot rouge, référence à la Vuelta. Yes. Rodriguez 3ème, Quintana 1er. Le meilleur jeune. Ah, tiens. Maillot. Ah. Oula, ah oui. Oula, avec le logo Cyanide là. C'est quoi ça? c'est bizarre. Pourquoi le logo Cyanide? Je ne sais pas. Enfin, c'est pas grave. Timo Pino, pourtant il me semblait la FDJ l'avoir fait, mais bon, je regarderai ça plus tard. Et par équipe, là, je suis dans la mondiale. Bien joué, les gars. Bon, un petit peu déçu pour la victoire, mais pas déçu parce que du coup, bah, je porterai le maillot du leader, donc c'est déjà une très très bonne chose. En une victoire, je n'aurais, ouais, bon, j'aurais pu la gagner celle-là, mais c'est pas grave, écoutez, hein, c'est le jeu. Aucun hors délai en tout cas, c'est parfait. Bon, les roses vélos qui font un bon tir groupé à la fin, c'est magnifique. Je ne fais pas défiler le classement, vous voyez les 15 premiers, je pense que ça peut suffire hein, pour l'instant. Voilà, les principaux sont là, de toute façon, on va aller jusqu'au 20ème. Une bonne place pour Thibaut Pinot, pour Pierre Roland dans le top 15. Voilà, Perrault aussi qui est là, 9ème. Bardet. Les Français sont là, les Français sont présents. Talensky, Pierre Roland, ouais, mais c'est 3 AG2R dans le top 15, ouais, c'est pas mal. Mmh. Ils se suivent d'ailleurs, les 3 là. Mmh. Bref, la 3ème étape aura lieu. Nous sommes quoi vendredi? Lundi. Oui, parce que nous sommes vendredi. Hop. Là, voici donc les cassés en plat, même si voilà, il va falloir faire gaffe là. L'enchaînement des deux là. Bon, en même temps, il n'y a pas de sprinter, donc c'est peut-être pour Chagan. Chagan, il passera là, il sera pas lâché. Hein. C'est pas ça qui va faire peur, Chagan. Non, mais c'est lui qui est leader, enfin qui est favori, oui, voilà. C'est pas ces petites côtes qui vont lui faire peur. Hein. Ouais, il est largement donné vainqueur. Il sera oui, vainqueur. Puis honnêtement, je pense qu'il va gagner. Hein. Oui, s'il arrive dans le groupe de tête à l'issue de la montée deuxième catégorie, il n'y a que la descente et après c'est de la plaine voilà. Jusqu'à l'arrivée, donc normalement ça devrait le faire. Oui, bio. Vu les qualités qu'il a, vu les notes qu'il a quand même, ce petit Chagan, il a quand même 110 montagnes, 110 ballons. S'il arrive à se maintenir dans le groupe, normalement ça ne devrait pas y avoir de soucis. Et c'est cassé en plat, donc du coup ça amoindrit un petit peu l'effort qu'il y a à faire sur les, sur les côtes. Bref, en tout cas voilà. Rendez-vous donc lundi pour cette 3ème étape avec Joachim en jaune, c'est cool, ça fait plaisir quand même, voilà. J'aurais bien aimé gagner l'étape, mais écoutez, hein, une erreur de débutant, de jeune fougueux, puis voilà, écoutez, ça arrive. Sur ce, le jeune Yono. Voilà. Sur ce, bah écoutez, prenez bien soin de vous, et je vous dis à la prochaine, ciao à vous, et ciao à tous les deux. Ciao, ciao à toi, ciao à tout le monde.